Comme dans plusieurs pays d'Afrique, l'économie de la Mauritanie est durement affectée par la pandémie de coronavirus. En décembre 2020, le niveau d'endettement du pays est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Pour accompagner la Mauritanie dans son relèvement économique, une dette de 25,3 millions de dollars vient d'être annulée par la Chine au coup de la signature d'un accord en vue de contribuer à l'accroissement des ressources. Le fait que la Chine annule une dette importante que la Mauritanie avait vis-à-vis d'elle est un signe pour le renforcement des relations bilatérales entre ces deux États. Tout ce renforcement se concrétise dans beaucoup de domaines, dans les infrastructures, dans la pêche, pour la construction d'infrastructures maritimes comme le port vers Ndiago, comme l'exploitation minière. Selon la Banque mondiale, cet allègement de la dette mauritanienne devrait stabiliser la politique financière du pays, ce qui contribuerait à soutenir les familles les plus pauvres. Surtout qu'avec une population estimée à 5 millions d'habitants, 31% vit en dessous du seuil de pauvreté. La Mauritanie, c'est l'un des premiers pays à exporter, par exemple, le minerai de fer vers la Chine. Parce que la production mauritanienne qui se chiffre entre 12 et 13 millions de tonnes, la plus grosse partie est exportée en Chine. Mamoudou Kané, ministre mauritanien des Affaires économiques, a précisé qu'une précédente exonération de 8,26 millions de dollars avait été décidée en octobre 2021. Cependant, aucune donnée n'est disponible sur le montant de la dette chinoise due par la Mauritanie.